C'est un bon chien-chien, ça. Hein, que c'est un bon chien-chien. Hein? Allez, allez, va chercher. Bien, mon chien, c'est bien. Yo, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le début de cette nouvelle série qui est Minecraft Adventure. Minecraft Aventure plutôt en français. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que bah, toi qui regardes la vidéo, tu vas bien, que tu es bien installé et que tu vas apprécier cette nouvelle aventure. Alors je vous le dis, cette aventure, cette série est sur le mode pack CrazyCraft 2.2. Alors je sais que CrazyCraft 3 vient de sortir il y a quelques jours, j'ai fait un petit tour sur le mode pack et bon, il y a quelques trucs qui m'ont fait voilà, choisir de refaire une saison en fait sur CrazyCraft 2 parce que j'avais déjà fait en fait une série dessus. Donc c'est une nouvelle saison et une nouvelle série Minecraft Aventure. Et je pense que chaque saison il y aura un mode pack aventure différent. Puisque CrazyCraft en fait c'est un mode pack qui regroupe beaucoup de modes. Et ces modes-là voilà, sont plus ciblés sur l'aventure, les donjons, il y a plusieurs mondes, plusieurs stuff, etc. Il y aura énormément de choses à découvrir. Il y aura beaucoup beaucoup de mobs. Et je pense que je vais peut-être me faire démonter dès les premiers épisodes de la série. Hein, puisque vous pouvez voir derrière moi qu'il y a déjà pas mal de monstres. Et surtout dans l'eau, il y en a énormément. Vous allez voir qu'il y aura différents mondes. On pourra normalement téléporter de monde au monde avec des fourmis, etc. Il y aura énormément de choses. Et puis petite nouveauté, j'ai rajouté le mode Doggy Talent. Donc je vais avoir un compagnon durant cette aventure. Donc voilà, j'espère que vraiment vous apprécierez cette série. Parce que moi, je suis vraiment excité. Parce que voilà, ça fait un moment que je voulais refaire une saison 2 de CrazyCraft. Donc c'est parti, ça va être juste génial. Donc je spawn ici, je spawn dans une petite jungle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà peut-être utiliser... Alors, je sais pas si c'est... Non, fuck. Je crois que c'est celui-là, mais... Hop. Ah ok, voilà, il fallait cibler le sol. Donc voilà mon petit chien. Il me suit partout en cliquant droit dessus. Hop. Je peux... Le faire asseoir, non mais viens ici, assieds-toi, voilà, couché. Assieds-toi. Si je me trompe pas, on peut... Je vais regarder rapidement dans les options. Doggy Talent. Ok, donc ça c'est juste des commandements, enfin on peut lui donner des ordres, tout simplement. Donc... voilà mon chien. Et ce que je vais vous demander, c'est peut-être de me donner des idées pour le nom du chien dans les commentaires. Je prendrai dès le prochain épisode vos pseudos, enfin les noms que vous aurez donnés au chien. Je tirerai au sort quelqu'un et voilà, je donnerai un nom au chien parce que j'en ai pas du tout. Et puis vaut mieux vous demander. Mais what? Mais qu'est-ce que tu fais? Ok, toi tu commences à peine. Allez, viens par là. Viens par là mon chien. Allez, viens par là. Il me suit ou pas? Où est-ce qu'il est? Viens ici. What? Ah, il est là. Ok. Allez, tu vas me suivre. Bah écoutez, c'est le premier épisode. Comme d'habitude sur Minecraft, il faut récupérer du bois. Donc c'est ce que je vais faire. Et on voit qu'il y a déjà pas mal de structures. Hop. On va récupérer un petit peu de bois. Il y a énormément de structures, donc il y a pas mal de stuff qu'on va pouvoir récupérer en fait dans des donjons, etc. Ça va être cool. Et vous verrez qu'il y a un monde assez spécial, là où se trouve la reine, pour ceux qui ont vu la série Crazy Kingdom. Voilà, c'est Crazy Kingdom. Eh bien, on a le royaume de la reine et à l'intérieur, il y a énormément de minerais. On n'a vraiment pas besoin de miner. Je sais pas. Quand exactement on ira dans ce monde-là. Mais ça va nous faciliter la tâche. Hop. Il y a aussi le mode mignon en fait. Donc je pourrais avoir des mignons et ils vont miner pour nous. Ok, il y a des pommes ici, c'est cool. Des pommes, du bois, nickel. Je sais pas comment ça se fait qu'ils soient pétés, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? Je crois que c'était la canne à sucre, mais pas du tout. Je sais pas où est-ce que je vais me mettre exactement.
C'est bien, on commence avec pas mal de pommes, ça me permet d'avoir un petit peu de bouffe, de démarrer avec un petit peu de bouffe. Là aussi on a des pommes, du bois, comme quoi on n'a pas besoin de... Voilà, on travaille pour nous en fait dans cette série. Où est mon chien? Viens ici. Viens ici le chien. Alors, hop, on a encore du bois ici. Je pense qu'ici c'est pas mal. Pour démarrer une petite base. Alors c'est cool parce que je vois pas énormément de monstres offensifs pour le moment. Hein, je vois que voilà, du petit mob, c'est génial. Il y a aussi le mode morph, donc on va pouvoir se transformer avec... Ouh, regardez. Alors ça c'est une fourmi, en cliquant dessus, normalement on va... dans un autre monde. Alors il y a le mode morph comme je disais, c'est un mode qui va nous permettre de nous transformer. What the fuck? Vous voyez ça? Caterkiller. Ok. Enfin, ça commence bien. En fait, je venais de parler des mobs inoffensifs. Il a 450 PV. Oh, what? Il m'a lancé. C'est lui qui m'a lancé cette toile. Je vais juste me barrer. Je vais me barrer. Ok. Tac. On se barre. On va rentrer un petit peu ici, là, dans la petite forêt. Ok, normalement. On la se met. Où est mon chien? Viens ici, le chien. Au pied. Alors. Ici, ça pourrait être pas mal. Petite rivière, tranquille. Vous voyez qu'il y a des sortes de... Pas des planètes, mais je sais pas exactement comment on peut appeler ça. Dans les cieux, on ira voir plus tard. Alors la nuit va tomber, donc on va peut-être se dépêcher, n'est-ce pas? On va peut-être se dépêcher et on va se mettre là. Ok, nice, il y a des baies à côté. On va se mettre là, donc on va commencer par faire une petite table de craft. Hop. Voilà. On va se mettre là. J'ai rien du tout. J'ai rien du tout. J'ai même pas de quoi me faire un four. Ça va pas être cool. On va juste se faire une épée, on sait jamais. Pour cette nuit. Et là-bas, je vois qu'il y a quelque chose. Faut être prudent, hein, faut être prudent, sinon je vais mourir en boucle. Oh, il y a une petite amie là-bas. On va peut-être avoir une petite amie assez rapidement. Ok, il y a une structure par là. Alors la vache, elle va y passer. Hop, on va récupérer. Ah merde, je me suis transformé en vache. Ça c'est cool. On va récupérer un petit peu de cobble. Hop, on va récupérer un petit peu de cobble. Ça nous fera ben. Des outils en cobblestone, en pierre. Il y a une sorte de maison là-bas. Qu'est-ce que je vois d'autre? Il y a une girlfriend. Mais j'ai pas de fleurs. Est-ce que j'ai des... Non, j'ai pas de fleurs du tout. Je peux peut-être récupérer une fleur. Viens ici le chien, on va essayer de descendre. Et il y a que dalle. What? Il y a vraiment que dalle? Que dalle, que dalle. Ok, bon, ben, je vais remonter. Non, non, en fait, reste en haut. Reste en haut. Il y a des girlfriends en fait. Je peux essayer d'avoir une petite amie. Ça me permettrait de me défendre puisque la petite amie se bat pour moi aussi. Donc avec le chien, ça me permettrait d'avoir un minimum de défense au départ. Alors là, on va juste revenir sur ma forme initiale, n'est-ce pas? Il me faut des fleurs, des fleurs, des fleurs. Là, on a des fleurs. Ok, c'était mon chien. Je sais pas si ça passe. Je sais pas si cela passe ou pas. On va leur offrir des... En fait, pour avoir une petite amie, il faut aller vers elle. Lui offrir des fleurs. Oh. Ok, il n'y a que du bois. Lui offrir une fleur. Et normalement, il y a des cœurs au-dessus d'elle. Et ça veut dire que... bah, qu'on sort ensemble. Alors attendez. Elles sont où? Ok, il y en a une ici. Il y en a deux. Ici. Alors laquelle on va choisir? Celle avec les cheveux roses? Celle avec les cheveux bleus? J'aime bien le bleu. Non, ça passe pas. Il me faut une fleur rouge. Ok, il me faut une rose. Une rose, une tulipe, je sais pas exactement ce que c'est.
On va manger un petit peu. Hop. Il y a des cochons là-bas, ça serait nickel. On a la maison. On va voir s'il n'y a pas une sorcière là-dedans. Nice, il n'y en a pas. Nickel. Alors il y a la mini-map hein, sur le côté. Alors est-ce que... Ouais, c'est bon, luminosité est bonne. Tu viens le chien? T'es où? T'es là, ok. Qu'est-ce qu'on a? On peut tout récupérer. Ce que je voulais faire, c'était juste une hache peut-être. En fait, je peux faire ça. Hop. Et je peux faire bah, une épée en pierre. Voilà, ce sera mieux que le bois. Et on va se faire aussi une hache. Hop. Comme ceci. Voilà, là on est bien. Là on est plutôt bien. Je vais récupérer les livres. Du bois j'en ai assez. Alors je sais pas exactement où est-ce que je vais me caler pour le moment. Je sais pas du tout. On va essayer de survivre à cette nuit déjà. Et puis on verra. On a un petit temple là-bas. Et il me faut une fleur, peut-être que j'aurai une petite amie dès ce premier épisode de Minecraft Aventure. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'être un temple. Yes, on a de... Oh, je crois que c'est du charbon. C'est quoi? Black Iron Ore, ok. Je vais le récupérer. Je vais le récupérer. Je crois que ça me permet d'avoir... Alors attendez. Je crois que c'est pas mal du tout. Black Iron Ore. Qu'est-ce que je peux faire avec? Oh, nice! Bon, en fait, on va pouvoir faire l'équipement de Batman. Parce que je ne vous l'ai peut-être pas dit. Et si vous n'avez pas joué à Crazy Craft, on a un mode qui permet de jouer les super-héros. On a les costumes des super-héros et les pouvoirs des super-héros. Donc c'est juste génial. Et en fait avec le Black Iron Ore, c'est un élément pour crafter l'équipement de Batman. Donc on va récupérer ça. C'est un peu chiant à miner, mais ça ira. Et ça, je peux pas. Ok. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Déjà, on a un four, on peut le récupérer. Ok, nice. Je me demande s'il y a un coffre. Ou est-ce qu'il y a un piège? Attends-moi là, le chien. Il y a peut-être un coffre là-haut, en fait. Il y a du charbon. Il y a peut-être un coffre là-haut. Et il y a peut-être que dalle aussi. On va monter directement comme ça. Ah ben, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Mais ça nous permet d'avoir une vue. Alors là, on a de la lave. Il y a du charbon qu'on va récupérer ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a pas mal de charbon. Oh! Peut-être de l'iron, c'est peut-être de l'iron ça. On a un village, oh nice, on a un village de PNJ ici. Ça pourrait être bien pour s'installer. Ça nous permettrait d'avoir un peu de bouffe en fait. On a les champs à côté, tout ça, ça c'est pas mal. Par contre, ça peut être aussi un village de PNJ, hop, offensif. Donc, on va voir. Je pense pas. Oh oui, oh merde, je vois un prisonnier. Donc je pense que ils sont dangereux. Ça c'est de la terre, ok. Alors, je vais récupérer un peu de charbon. Alors il va nous falloir des niveaux pour pouvoir avoir le bâton pour les minions. Les minions donc ils vont être des servants, des serviteurs qui vont miner pour nous. Ça c'est plutôt génial. Alors ça c'est de l'iron si je me trompe pas. Nice, c'est de l'iron. Déjà on a une pioche en fer. Est-ce qu'on peut avoir une épée? On n'en aura pas assez. Hop. On a ici encore du charbon. Yes. Ok. On va aller voir le village.
Il a combien d'HP? Je vois pas. Parce qu'en fait, j'en ai que 10, moi, des HP. Il en a 25. Et il arrive vers moi. Je me demande s'il faut le tenter ou pas. Je sais pas ce qui... Putain, je vois un autre mob derrière. Elder Farlander. Ok. Bon, je crois qu'on va pas faire les fous pour le moment. Je sais pas exactement s'ils sont offensifs ou inoffensifs, donc on va plutôt se barrer. Viens par ici, le chien. Nickel. Est-ce que je peux lui donner de la bouffe? Tiens. Je sais pas ce qu'il bouffe exactement. Je sais qu'on peut avoir... Il y a un menu normalement avec le chien, mais je sais plus exactement comment... Comment ouvrir ce menu là. Ok, le jour est en train de se lever, c'est plutôt nice. On va tuer des cochons et se transformer en cochon. Une marmotte. Yes, c'est la marmotte de chez Milka. Alors on va récupérer, hop, la viande. Il y avait quoi par ici? Oh, regardez ça. Regardez cet arbre géant. Je sais pas ce qu'il y a là-haut, mais on ne doit pas être assez équipé pour ça. Donc on va se calmer de suite. On a de la lave ici. Ici, il y a des pommes. Et sûrement du bois. Ou pas. Tac, on va revenir. Dans notre forme normale. Il y a une sorte de temple là-bas. J'hésite. En fait, j'essaie de trouver un temple. Il y avait un temple qu'on avait pu voir dans la première saison. Un temple... Où il y avait pas mal de tunnels en fait. De tunnels, de grottes, etc. en dessous. Et il y avait énormément de stuff. Alors ça c'est... C'est pareil, c'est du Black Iron, je pense. Black Iron or. Alors pour le moment je peux pas voler. Même si j'obtiens... une forme pour voler, je ne peux pas voler du tout. Il faut d'abord que je tue le Kraken pour ça. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Alors vous allez voir qu'il y a énormément de bruits bizarres et des fois c'est pas quelque chose de gentil puisqu'on a énormément de monstres qui font très très mal. Certains vont me one shot tant que je serai pas bien équipé. Donc faut extrêmement faire gaffe. Ce que j'aimerais c'est juste avoir une fleur et peut-être draguer une girlfriend, avoir une petite amie, ce serait cool, surtout en fait pour ma protection, hein. C'est pas pour ce n'est pas pour l'amener au cinéma, hein. Ne vous inquiétez pas. On va essayer de trouver une fleur rouge dans la forêt. Hop, peut-être baisser un petit peu. Non, voilà, 9%. La musique de Minecraft. Ok, c'est une vache. Une vache avec un chapeau. Une fleur rouge, je veux juste une fleur rouge. Oh, what the fuck, regardez. Des guêpes. Je trouve pas de fleurs. Bon, bah, je pense qu'on n'aura pas la girlfriend pendant... Durant cet épisode, en tout cas. Hop, on va récupérer quelques baies. Bon, bah, c'est un petit départ. Où est mon chien? C'est un petit départ. On a un petit peu de bouffe, du bois, on a un peu de pierre, un peu d'iron. On n'est pas trop mal, sincèrement on n'est pas trop mal. Je vais récupérer un petit peu de laine. Hop. Voilà. Peut-être que mon chien a faim. Oh, salut le mouton, t'as une belle tête. Nice, on a 3 laines. On pourra peut-être faire un lit. Et bah, j'ai toujours pas de base. Pour le moment on a exploré un petit peu. Est-ce que je vais pouvoir trouver une fleur rouge? Nice. On en a ici. Alors. J'entends des monstres, donc on va se dépêcher. J'ai vu qu'il y avait une girlfriend ici. Toi t'es un boyfriend. Disons que je n'ai pas vraiment envie d'avoir un boyfriend. Y a pas de girlfriend par là. Alors, les amis, on se retrouve quelques instants plus tard. Je me fais attaquer par des fourmis, en fait. Par des fourmis rouges. Et j'ai pu trouver ma girlfriend. Alors,
Hop, j'ai juste eu les fourmis rouges parce que c'est un petit peu relou. Bon, en même temps, ça me fait gagner un petit peu d'XP, donc c'est plutôt pas mal. Où est mon chien? Mon chien est là. Bon, ben, je crois qu'on va se retrouver, on va se dire au revoir et on va se retrouver dans l'épisode 2. Les fourmis vont me tuer. Non, ça devrait aller, ça devrait aller. En tout cas, ça m'a fait monter un petit peu de niveau et j'ai gagné un cœur, ça c'est plutôt fun. Viens par là. Voilà. Nickel. On va s'écarter un petit peu. Viens ici le chien, tu seras sympa. Hop. Voilà, ce sera tout pour l'épisode 1 de Minecraft Aventure. On se retrouvera dans l'épisode 2 avec ma girlfriend et mon chien. N'oubliez pas surtout de me laisser dans les commentaires un pseudo, un nom que je pourrais donner à mon chien. Voilà, vous me laissez dans les commentaires. Ce serait cool que tu mettes, je sais pas moi, Max, Pop, j'en sais rien. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées pour le nom de mon chien. N'oubliez pas le pouce en l'air, le pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, restez positifs. Ciao!